Que vous soyez un jour humain, nain, elfe ou démon, le monde de Warhammer sombre chaque jour dans la guerre, loin des contes de fées de notre enfance. Les royaumes du chaos regorgent des pires monstruosités qui peuvent déferler dans le monde des mortels. Ces abominations se regroupent sous la bannière de plusieurs divinités, et l'une d'elles est une ode même à la destruction et au carnage. Khorne est le dieu du sang et du massacre, et chacun de ses fidèles sont d'effroyables machines à tuer. Son domaine est recouvert de champs de bataille, de forteresses en ruine et de rivières de sang. Ici gît les dépouilles de centaines de milliers de victimes, et son trône surplombe un nombre incalculable de crânes dont certains proviennent d'espèces inconnues pour les mortels. Ses serviteurs se disputent ses faveurs lors de combats à mort, car Khorne se fiche du sang versé tant qu'il est répandu. Du sang pour le dieu du sang. Des crânes pour le trône de crâne. Telle est la devise de ceux qui lui offrent une éternité de carnage et de massacre. Bien qu'il déteste les royaumes mortels, il hait encore plus Slaanesh, le dieu chaotique du plaisir et de l'excès, car il sait que sa colère profite au dessein de son ennemi, ce qui ne l'empêche pas de déchaîner sa fureur aux quatre coins du monde et ne laisser au passage que cendres et ruines. Lorsque les légions de Khorne passent les portails chaotiques, rien de ce qui se trouve sur leur chemin ne survit bien longtemps. Les guerriers du chaos du dieu du sang forment une impénétrable ligne de front, là où les sanguinaires arrachent la vie de leurs victimes de leurs lourdes épées. Sur terre, les chiens de Khorne rattrapent toujours leur proie, peu importe la distance, et dans les cieux fourmillent nombre de gargouilles attirées par l'odeur du sang. Les minotaures de Khorne oblitèrent des régiments entiers de leurs haches, quand ce ne sont pas les équarisseurs et leurs montures blindées qui écrasent l'infanterie adverse sous leurs lourds sabots d'airain. Formidables machines de guerre, les trônes de sang prêchent le massacre en chargeant en première ligne, et les canons à crâne bombardent les positions mortelles de projectiles de mort. La rage bestiale de Khorne lui-même imprègne les haches et l'esprit des buveurs de sang, pouvant décapiter les plus grands monstres connus, et comme si cela ne suffisait pas, les broyeurs d'âmes dévastent les champs de bataille sans la moindre difficulté. Le démembrement, l'éviscération ou encore la décapitation ne sont que les promesses faites à tous les inconscients qui se tiendront un jour sur la route d'un serviteur du dieu du sang. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la rubrique du Griffon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nous allons parler des légions de Khorne. Quel seigneur légendaire peut-on attendre? Quelles sont les unités manquantes au roster? Eh bien, voyons cela tout de suite. Je vois actuellement deux DLC possibles pour renforcer la liste d'armées de Khorne. Pour le premier, nous commencerions avec Valkia la Sanglante comme seigneur légendaire. Vu l'attente et le potentiel qu'a ce personnage dans le troisième opus, elle fera sûrement partie du premier Lord Pack de Khorne. Donc pour résumer, Valkia était autrefois une reine norse qui attira l'attention d'un prince démon de Slaanesh, et ce dernier lui a annoncé qu'elle serait mieux dans son harem qu'à sa place actuelle. Manque de bol pour lui, la reine savait très bien se battre, et elle le tua et décora son bouclier avec la tête du prince démon. Vénérant Khorne, elle décida d'aller offrir personnellement la tête de Lossefax, le prince démon de Slaanesh vaincu. Une expédition fut donc organisée pour rejoindre le royaume du sang. Le truc, c'est qu'il fallait traverser les désolations du chaos et donc de tomber sur moult menaces comme des monstres ou des serviteurs des autres puissances de la ruine. Les hommes de Valkia périrent un à un et elle se retrouvera, elle aussi, à perdre la vie contre les démons de Slaanesh. Khorne, de son côté, enragea de voir Valkia mourir alors qu'il avait beaucoup d'autres projets pour elle, et donc il la ramena à la vie et la changea en prince démon. Elle rassemble depuis ce jour une foule innombrable de serviteurs de Khorne sous sa bannière, et ces derniers sont empreints d'une vigueur incroyable en sa présence. Donc je vois bien Valkia comme un seigneur anti-large blindé, volant et pouvant buffer les unités mortelles, avec pourquoi pas la capacité de rendre indémoralisables les guerriers de Khorne dans une zone autour d'elle. Elle pourrait également leur octroyer des boosts d'attaque et défense, ainsi que de diminuer le coût d'entretien des unités mortelles. Pour l'accompagner viendrait le seigneur du chaos de Khorne en seigneur générique, un puissant personnage très tanky au corps à corps et buffant les unités autour de lui en leur ajoutant plus de commandements. Il pourrait également obtenir au niveau 15 la possibilité de se transformer en prince démon de Khorne, qui est un choix similaire à celui que l'on retrouve chez le héros de Khorne. Le prêtre du massacre, comme héros générique, serait un canon de verre pour sa part et anti-infanterie. Il aurait la capacité de lancer des prières de Khorne sur des unités alliées pour les renforcer au combat. Voici ensuite une liste d'unités possibles. Les Sœurs des Reins en infanterie d'élite de tier 4, perforant les armures, efficaces contre les unités blindées. Les Faucheurs de Crâne comme infanterie mortelle de tier 1,
avec un peu d'armure et assez rapide pour une unité d'infanterie, parfait pour attraper des unités ennemies. Enfin, les chevaliers de corne en cavalerie lourde de tier 3, idéal pour s'occuper de la cavalerie moyenne et légère ennemie ou des troupes fragiles isolées. Mon deuxième choix de Lord Pack amènerait Scylla Affingreen. Aussi connue comme la griffe de corne, un puissant chef de guerre norse de la tribu de la peau de fer, qui pendant plusieurs décennies a pillé les quatre coins du monde et massacré au nom de son dieu tutélaire et fut petit à petit récompensé par son maître, devenant par la suite un énorme monstre simiesque qui ne pense qu'à causer la mort et la destruction autour de lui, toujours accompagné par les guerriers de sa tribu. On aurait avec Scylla un puissant seigneur monstrueux anti-infanterie qui bufferait les monstres de l'armée et aurait pour but de sillonner le monde afin de piller les plus grandes cités. On pourrait voir arriver le Belluaire sanglant, qui est un héros générique anti-large efficace contre les monstres et infanterie monstrueuses, avec également une capacité pour les debuffs. Niveau unité, voici ce que nous pourrions attendre pour ce deuxième Lord Pack. Les Cornegore en infanterie rapide avec la tribu Avant-Garde, parfait pour harceler les flancs adverses. Les Courroux de Corne en infanterie d'élite de tier 4, anti-infanterie dont chaque attaque peut toucher plusieurs modèles. En soi, ce serait une unité qu'il faudrait abattre avant qu'elle ne cause trop de dégâts au corps à corps. Et enfin, le Behemoth, un puissant monstre unique décuplant sa force au fur et à mesure que sa vie baisse, avec une aura de peur baissant l'armure et le moral des unités autour de lui. S'il y a bien une chose que j'aimerais voir arriver du côté des contenus gratuits chez Khorn, ce serait l'arrivée du seigneur légendaire Uzul, le promeneur de crâne en jeu lors du prochain Event Skulls de Games Workshop, un personnage spécialisé dans les duels avec une mécanique spéciale autour des crânes récoltés lorsqu'il abat un seigneur ou héros adverse. Un autre FLC intéressant serait Karanak en tant que héros légendaire, ce fameux Cerbère qui est le chien de garde principal de Khorn et qui est capable de traquer n'importe quelle proie, peu importe où elle se trouve. Un monstre donc très rapide, indémoralisable, très redoutable contre les unités isolées, ainsi qu'avec le déploiement d'avant-garde. Et voilà pour ce qui est de cet épisode mésatente concernant les légions de Khorn. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de votre côté concernant Khorn. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, bon jeu à vous, et ciao.